Bonjour Soprano. Salut, salut. Bienvenue au Live Le Figaro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous nous avoir invités, magnifique, je me suis régalé. Alors, t'es venu pour nous jouer trois titres de ton dernier album et présenter la deuxième édition de cet album qui donc maintenant s'appelle La Colombe et le Corbeau. La Colombe était sortie tout seul fin 2010, là tu rajoutes Le Corbeau, un disque plus technique, plus hip-hop, plus dur. T'avais besoin de montrer un équilibre, t'avais besoin de montrer que tu savais encore faire du vrai hip-hop. Pourquoi ça t'ajoute ? Non, c'est que j'aime bien par rapport, en plus, comme c'est une histoire d'oiseau, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup, une image que j'aime beaucoup, c'est que pour qu'un oiseau puisse rester en équilibre, il lui faut deux ailes, et moi il me faut celle de la colombe et du corbeau pour pouvoir justement bien être moi. C'est vrai que c'est les deux côtés que je travaille depuis tellement d'années avec mon groupe Les Psychiatres de la Rime, et même en solo, de temps en temps, tu peux m'entendre sur un freestyle rappé très technique, très corbeau, et d'un coup entendre un morceau plus posé avec de la mélodie et beaucoup de conscience. Donc c'est vrai que c'est mes deux univers, j'ai voulu les séparer pour justement faire un concept et montrer aux gens ce que je pouvais faire. Et encore, il y a un autre côté que j'ai pas bien mis en avant, on en parlait peut-être pour un prochain disque, mais on verra. Avec Le Corbeau, tu abordes des thématiques un petit peu plus directes, un petit peu plus politiques, encore plus sociales, avec un parler un peu plus dur de ton constat, ton regard sur la société. C'était aussi un des objectifs de cet album un peu plus sombre ? Ouais, parce que La Colombe, on va dire qu'il est quand même, même s'il y a beaucoup de morceaux mélancoliques peut-être, mais il est quand même « peace ». Parce que justement, le symbole de la colombe, c'est la paix. Après, le corbeau, c'est vrai que même si le truc le plus important que je voulais mettre en avant dans le corbeau, c'était la technique, le flow, c'est vrai que c'était très difficile pour moi de ne pas mettre en avant certains sujets comme regarde-moi par rapport à la politique actuelle qui ne connaît pas vraiment bien son pays. Ou par exemple dans Invincible où j'explique que chaque fois on est obligé de faire deux fois plus parce qu'on vient de tel endroit. Donc c'est vrai que moi, pour moi, c'est très important de pouvoir mettre en avant à travers mes styles un message. Et c'est vrai que Le Corbeau, c'était lui où on pouvait même mieux mettre le côté dark de l'histoire. Et donc le hip-hop permet encore aujourd'hui d'avoir une liberté d'expression assez efficace. Moi, je trouve que, c'est vrai, ça fait 20 ans que je l'entends, même dans l'époque d'ailleurs, j'entendais le rap est mort. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est encore beaucoup plus vivant qu'avant. Dans le sens où, aujourd'hui, si tu veux du rap familial, il y a. Si tu veux du rap bling bling, il y a. Si tu veux du rap très conscient, tu as. Si tu veux du rap très quartier, rue, ghetto, tu as. Si tu veux de la poésie, il y a. Tu peux écouter Oxmo Puccino, c'est de la poésie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expression est diverse et les gens peuvent s'y retrouver et peuvent s'exprimer de la manière qu'ils veulent en faisant du rap. Mais le rap bling bling, toi, ça t'énerve un peu. Tu répètes c'est dans tes morceaux. C'est pas trop mon truc. T'as pas trop envie de mettre des femmes dénudées, des grosses bagnoles. Ouais, c'est ce que je dis dans Halloween, justement. C'est vrai que c'est pas mon délire. Moi, par exemple, pour parler, quand on me pose des questions sur mon argent, parce que c'est vrai que j'en gagne beaucoup, mais je veux pas gagner de l'argent, je fais pas du rap tel style de rap pour gagner de l'argent, pour m'acheter des grosses voitures, des chaînes en or, ou pour flamber, ou pour m'acheter une grosse villa avec. Non, moi c'est pas ça. C'est surtout pour pouvoir continuer à faire de ma musique et pouvoir être libre à exprimer ma manière de penser et de pouvoir aussi produire de nouveaux artistes. Donc ça me permet de pouvoir faire le même relais que IAM a fait avec moi, parce que c'est vrai que IAM a produit mes deux premiers disques avec Les Psychiatres de la Rime. À Kenaton, nous avions sorti nos deux premiers disques. Et je pense que si IAM n'aurait jamais fait ce relais de faire un label et de produire les artistes, peut-être que je ne serais pas là devant toi. Je serais encore dans ma MJC en train de faire mes freestyles et mes concerts. Bon, Soprano, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. C'est Marseille. Marseille, ça revient tout le temps dans tes textes, dans ta musique. Oui. On dirait que tu es Marseillais avant d'être rappeur. Je vais aller encore plus loin. Je crois que je suis Marseillais avant beaucoup de choses. Non, c'est vrai que quand tu es à Marseille, en plus, moi, c'est un peu plus spécial parce que moi, mon message dans ma musique et même dans
dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le mélange. Et Marseille, c'est la cosmopolitanie, comme je dis dans un morceau qui s'appelle Adabien. C'est le mélange. On dirait que tu es au bled, on dirait que tu es en Afrique, on dirait que tu es en Italie, on dirait que tu es en Espagne, on dirait que tu es en Angleterre. Et j'adore ce côté, ce brassage ethnique. Et Marseille, j'en parle tout le temps. Je le défends partout, ça s'entend. La dernière fois, on voulait me faire faire un casting, on en parlait. Je disais, ça va être difficile de m'enlever mon accent. Je ne sais pas quel rôle on va vouloir me donner si ce n'est pas un rôle marseillais, quoi. J'ai lu que tu prétendais être fan de Muse, Coldplay, des groupes beaucoup plus rock. Et c'est vrai que ça se sent dans l'instrumentation de tes deux disques. Tu es toujours en perpétuelle recherche comme ça de ce mélange. Comment ça se passe quand tu écris des morceaux, du coup? Mais, tu sais, c'est venu... À la base, déjà, moi, c'est grâce à Michael Jackson que je fais de la musique. Bob Marley m'a donné envie de chanter pour les gens. Michael Jackson m'a donné envie de faire de la musique tout court. Donc, mon oreille directe, elle n'était pas hip-hop direct. Je ne suis pas né avec le hip-hop directement. Je suis rentré petit à petit, ça m'a fait aimer la musique. Je suis rentré, je me rappelle une époque où je rentrais dans la chambre à mes parents et je cherchais des cassettes pour écouter de la musique. Pourtant, je ne connaissais pas le hip-hop. Je crois qu'il y avait Benny B à la télé, une grosse dédicace à dédiquer. Et je tombais sur des cassettes de Bananarama, de ABBA. Tu vois, c'était vraiment encore autre chose. Petit à petit, ça m'a fait aimer la musique dans tous ses aspects. Michael Jackson, tu en parles dans ton double album. Tu aurais pu nous chanter un petit Michael Jackson aujourd'hui. Voilà, le problème, c'est que j'ai un anglais pitoyable. Donc j'aurais été un déshonneur pour Michael. Si tu nous entends, j'aurais été un déshonneur pour lui. Soprano, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt et bon courage pour la suite. Ciao, ciao.